un peu du mal à me déplacer, mais Oui. vous en faites pas, hein, c'est. Il y a encore un connard à cheval quelque part. Il y a encore monsieur l'architecte. Monsieur ouais. Nollet, vous m'entendez? Je suis sur les remparts. Et qu'est-ce que faites-vous sur les remparts? Arrange. Non, non. Faites attention, le château est infesté de rats. Ah bon? Infesté de rats. Tous ces exterminicides. Mettre des pièges. Mince alors. Ah, pourquoi il y a des rats partout dans le royaume? Mais c'est le Durin qui nous envoie des rats. Ah bah il y en a un ici aussi. Regarde ce qu'ils peuvent se reproduire très vite. Il a peur de nous attaquer. Il y en a qui nous attaquent et d'autres qui nous attaquent pas. Est-ce qu'il arrive à me suivre du regard? Est-ce que si je tape deux fois dans les mains, le rat saute? Ah! On peut le tuer celui-là. C'est lequel celui-là? Un méchant. Il m'attaque. Qui lui fait méchant. C'est des rangs qui nous attaquent. Enfin, c'est ceux-là qui nous attaquent depuis tout à l'heure. Ah, mais il n'a rien compris. Il lui donne du fromage. Il est un peu con. Arrêtez, j'ai arrêté dans notre terme. Le tuez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils vont se reproduire après. Mais non, vous allez voir. Mais récupérez pas le fromage. Vous essayez d'apprivoiser ou quoi là? Vous allez voir, vous allez voir. C'est pas moi, c'est pas moi. Et il faut le tuer ça. Arrêtez monsieur le roi, laissez-moi faire. Oh, les yeux tout colorés. Comment vous avez appris à dompter un rat? Je sais pas trop. Madame. Dites-moi pas que c'est mon grand-père quand même. Oui, un peu plus loin bah alors, hein. Ici, câlin, câlin, câlin. Maintenant je peux lui donner des ordres. Câlin. Câlin. Vous essayez de nourrir un rat? Oui, et regardez, maintenant il est à moi, je peux lui donner les ordres que je veux. Quoi? Votre rat fait caca. Votre rat, je sais partout. Regardez ce rat là, regardez, si on tape deux fois dans ses mains, il peut sauter, regardez. Et hop là, il saute. Ah. Oui. Ça c'est un gros rat, ça. Hein. Ah, il y en a... À l'abattage. Un combat de rat? Non, non! Arrêtez, c'est le mien contre le vôtre! À l'abattage! L'abattoir! Ne tuez pas, celui-là c'est le mien. Mais! L'abattoir! C'est pas celui-là. Non, non! C'est pas celui-là? Ouais, mais il y a lui roux. Aussi, oui. T'as une peluche aussi. C'est pas moi, je l'aime bien. Arrêtez d'adopter les. Si, si, vous ressemblez à ma peluche. Non, je suis pas une peluche moi. Ils sont affamés, ces rats. C'est bon. Je crois qu'ils n'ont pas mangé depuis des mois, vous savez. Regardez, monsieur, ça vous ressemble beaucoup. Ah bah, comme les pigeons, hein, ça vient se voler du fromage entre eux. Hein. Si. Non. Non, je suis cadeau. Non, monsieur le roi, s'il vous plaît. Si. Je tue que celui qui vient d'arriver. Ah, il y en a un, il m'aime bien, je crois. Ouais, moi aussi. J'ai pas envie. Ah non, c'est pour moi. Ah non, c'est pour vous. Bah, c'est bon alors. Ah. Regardez, leur donner du fromage. Mais vous avez c'est tous ça, les on un roi. vous faites un élevage? Mais non, on n'entend rien. Qu'est-ce qui s'appelle? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'appelle? J'ai entendu quelqu'un se moquer de vous, monsieur le roi. Vous avez comment entendu quelqu'un? Mais personne n'a entendu ça. Vous avez entendu quelque chose, ma chère? Moi, j'ai rien entendu. Non, entendre quoi? C'est ça que de rat. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est votre voix qui vous a dit quelque chose? Oui. Qui vous a dit votre voix? Il y a des rats qui vous font réfléchir. Ah, non. Vous êtes fou, monsieur l'architecte. Monsieur l'architecte, vous devenez fou. Vous devez trop travailler en ce moment. Vous voulez pas vous reposer? Je pense que votre chapeau il est trop serré, monsieur. Oui, là, il faut laisser le flux sanguin passer. Hein.
Alors, j'aurais besoin de vous pour savoir si vous avez 12 graviers ou 12... Non, mais venez, venez, on venait au château, vous allez vous reposer. Bah écoutez, je vous fais ça pour dans une vingtaine de minutes, ça vous va? Vous allez bien, monsieur l'architecte? Écoutez, j'entends des voix dans ma tête, c'est pas embêtant. Ouais, des voix, c'était pas impossible. D'ailleurs, très belle cape, ma chère, où l'avez-vous trouvée? Merci beaucoup. Je l'ai acheté au chasseur qui me l'a faite pour un très bon prix. Je me suis dit que j'allais être en beauté pour vous. Ah oui, oui, vous êtes très belle, ma chère. Il faudrait peut-être que... Où est-ce qu'elle est passée, l'argent du contribuable? Et du coup, j'ai même pris du mouton que je vous ai cuisiné. Oh, non, c'est vrai, c'est gentil. Donnez-le moi, voilà. Sympa. Sympa. Mais il n'y a pas de voix. Vous allez vous devenir fou, hein. C'est monsieur le fou à mal fini la dernière fois. Hein. Vous voulez manger du mouton, ça ira peut-être mieux. Ce rat, là, vous le voyez pas? Quel rat? Eh, c'est pas moi. Bah si, il y a un rat là, mais le rat, il a rien ce rat. Il a l'air plutôt domestique. Regardez, même que quand on tape deux fois dans les mains, il saute, regardez. Il est trop bête. Ah, il saute pas. Quelqu'un vient de me dire que vous êtes trop bête. Par contre, il a ramené ses copains. Ah, c'est parce que c'est celui-là. C'est lequel qui saute? Attention ma fille, c'est sale ces trucs-là, tu touches pas. C'est lequel qui saute, je ne comprends plus lequel et lequel. Il y a deux rats. Je crois que c'est celui-là qui saute. C'est lequel qui saute pour pas qu'on le tue par inadvertance? Parce qu'à un moment, je vais tirer au pif. On peut pas le tuer par inadvertance. Si, on peut le tuer par inadvertance. Ah, ah, gueule! Eh ben non! Voilà, comme ça. Mais... Je crois que c'est... Mais donc ça doit être celui-là qui... Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est pas facile. En même temps, ça me rend fou. Qu'est-ce qui vous rend fou? Dans ma... Mais c'est pas ce rat qui me parle. Non, et que fout ce rat sur mon trône? Partez par Evelyn là. Il y a un vieillard là-bas. Ah, il y a des rats qui attaquent un vieillard. Tout va bien. Que le vieillard se fasse attaquer. Hein. J'entends vraiment des choses bizarres. Mais je pense que je vais vous laisser peut-être aller me reposer. Oui, allez vous reposer, prenez soin de vous. Ouais. Hein. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il lui arrive vraiment des choses bizarres, monsieur l'architecte. Je crois qu'il commence à perdre la tête. Après, c'est peut-être l'âge en même temps. C'est ça. Après, il faudrait peut-être qu'il aille prier un petit peu le Dura. Ça lui ferait peut-être du bien. On sait. Quand il n'y a pas d'explication possible, il faut se tourner vers le Seigneur. Oui, oui, bah oui, il faudrait qu'il aille prier le Dura. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Voulez-vous qu'on aille faire un tour du village pour voir un peu ce qui se passe? Hein, pourquoi pas? Monsieur Gus qui crie fort. Oh, monsieur Gus, venez là, faut que je vous en oublie. Ah, la porte est ouverte. Par la sainte religion du dieu Ra, je vous donne aujourd'hui ce titre de noblesse et la possibilité de pouvoir venir et de siéger à la cour et lors des conseils. Bienvenue à vous parmi les nobles. Vous avez l'autorisation maintenant d'acheter une maison au sein de l'enceinte de la cour, si vous le souhaitez. Il y a des concerts. Bon, je vous enverrai voir monsieur l'archimède qui vous donnera plus d'explications parce que c'est compliqué avec vous. Ok. Et je pense que je vais aller faire un tour du village. Vous voulez m'accompagner, ma petite famille? Venez, hein, y a pas de soucis. On va où? On se promène, on visite un peu. D'ailleurs, dites-moi, j'ai tellement dormi ces derniers temps que c'était... Qu'y a-t-il de neuf dans le royaume? Rien, hein, tout s'est bien passé ces derniers jours. Oui. Le banquet était bon, qu'as-tu pensé du banquet? Trop bon les gâteaux. Ouais, parce que si jamais elle venait à savoir que t'avais été kidnappé par monsieur le clergé, je t'imagine pas comment on serait en colère. Pardon? Hein? Le banquet était délicieux, hein. C'était très bon. Pardon, hein. On parlait du banquet. Elle a sorti le cure-dent. Bon, pas du banquet. Rien, ma fille. Mais vous avez rien dû faire, vous avez rien faire, voyons, je n'y suis pour rien. Vous étiez censé protéger ma fille. Mais elle est partie chercher sa peluche, moi j'y suis pour rien. Si dans les escaliers il y avait le clergé, t'es pas censé être là. Vous avez des esclaves, pardon, des gens. Vous pourrez aller le chercher à votre place. Une plèbe entière pourrait mourir à votre place. Et c'est ma fille qui va chercher sa peluche et se fait enlever. Mais écoutez, monsieur l'archimestre n'était pas loin derrière. C'est à lui qu'il faut s'en prendre. Et vous, où étiez-vous? Bah, au banquet, je sais, j'ai le banquet. Vous étiez plus intéressé par manger vos victuailles plutôt que protéger
La chair de ma chair. C'est pas vrai d'abord parce qu'il y avait du vin rouge, alors ça compte pas. Et deuxièmement, si j'en avais quelque chose à faire, enfin si j'en avais eu rien à faire, et bah quand Clergy me l'a dit qu'il avait kidnappé, je leur avais pas dévoilé tout ce qu'on savait. Et vous avez mis le pays en danger par la même occasion? Pour la fille, pour notre fille, oui. Mais ma fille n'aurait déjà pas dû être kidnappée. Wesh la petite, ça va? Eh, hey, tu veux des bonbons en fait? Le rat, laisse-la. Fais attention. Ah, mais attendez, mais vous parlez avec le rat? J'adore les enfants! C'est pas ce que vous croyez? Ouais. Faut pas croire, hein. Les rats ça se lave pas souvent. Ça traîne leurs pattes, c'est un peu. Du coup, en fait, je comprends pas, vous pensez que ce rat vous parle? Je crois bien. MF, tu veux suivre ma chaîne? C'est pas le chapeau qui était trop serré du coup. Ouais, je l'ai enlevé, le rat m'a dit de l'enlever. Elle veut pas suivre ma chaîne. Allez, viens, on s'en va. Le rat vous a dit de l'enlever? Le rat a dit d'enlever qui? Le rat a dit d'enlever le chapeau. Il lui arrive vraiment des bricoles à ce petit. C'est assez complexe. Ouais, je crois que. Je crois qu'il est en train de perdre la tête, hein, monsieur l'architecte. Hein, c'est vraiment. Nous allons devoir inventer les hôpitaux psychiatriques. Ouais, bah il ira à l'église comme tout le monde. Le père Francis sera content de l'accueillir. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Ah là là. Moi non plus, pas ces derniers temps. Et du coup, ma fille, tu sais que je me suis beaucoup inquiété quand t'as été enlevée par monsieur le clergé. Hein. En fait, du bruit pour boire votre gourde. Hein, Pardon, faut que je fasse ça. Hop. Voilà. Bon, est-ce que monsieur Hune est là? C'est ouvert, mais y'a personne. Ouvert, mais y'a personne. Et bah, quand c'est ouvert et qu'il y a personne, vous savez ce qu'on fait? On prend. On se sert, exactement. Voilà, c'est exactement ce que maman lui a appris. Tu veux quelque chose? Oui. Et quand c'est fermé et qu'on veut se servir quand même? On rentre dans la maison et on ouvre. Voilà. Oh, vous avez une très belle armure maintenant. Oui, elle est un peu lourde à force, mais ça se passe bien. Oui, bah vous savez, hein, vous êtes le deuxième chevalier sans diplôme. Vous avez une grosse épée, faites attention sur qui vous la pointez. Oui, mais elle est un peu lourde aussi. Mais ne vous en faites pas. Ah bah voilà, j'avais raison. Non, c'est celle-là, la longue épée. Moi, j'avais celle-là. Vous savez, à partir du moment où on a le chevalier pomme comme chevalier qui n'a jamais eu de diplôme, vous pouvez être chevalier aussi. Oui. Et moi j'ai failli avoir mon baccalauréat de chevalerie, hein. Oui, parce que vous, moi, vous l'avez passé, lui il l'a pas passé, hein. Oui. Il n'a pas besoin de le passer. Il s'est arrêté au brevet d'écuyer, hein, vous savez. Oui, je le vois. Je suis quand même le meilleur, quoi. Excusez-moi, je vous entends marmonner, vous avez quelque chose à dire? Non. Ah, je... le meilleur, quoi. D'accord, je ne comprends pas, vous parlez dans votre barbe. Non, mais je suis quand même le meilleur, quoi. Ah, vous êtes le meilleur, oui, vous êtes le meilleur. Il a pas de barbe. C'est une expression, mon petit, tu comprendras quand tu seras grand, t'en fais pas. Quand on aura de la barbe. Allez, hein, quand on aura de la barbe, tu auras de me dire. Bah écoutez, j'ai déjà mon premier pot sur Kiki. Hein. J'en suis sûr qu'il allait dire ça. Ouais, c'était imprévisible. Mais tu as quel âge aussi? J'ai 16 ans. Ah ouais, bon. Mais ouais. En vrai, je suis grand. Hein. Un seul poil à 16 ans? Ah, oui, je suis très imberbe de là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Je suis sale bête. C'est étrange, on a toujours des problèmes de rats quand vous êtes dans les parages, monsieur l'architecte. Et donc, vous êtes toujours persuadé que ce rat vous parle? Ouais, vas-y, fuis. Sale pute. Oui, bon, vous savez, d'ailleurs, en parlant de rats, je peux pas vous entraîner avec monsieur le chevalier. Avec moi? Oui, urgentement. Bah écoutez, je suis... Bah venez, venez. J'ai entendu le chevalier, moi. Venez. Venez, réquisitionnons cette auberge qui est vide. Venez, monsieur Pomme. Personne d'autre, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ouais, le chevalier. Je suis le chevalier aussi. Non, ouais, bah tu montes la garde. Pas encore. Ok. On va venir, Dites-moi, parlez un peu bas, dites-moi. Jusqu'à l'église. Oui, mais c'est jusque là, d'accord. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Ce roi s'appelle Wally. Quoi? Oui, bon, c'est un détail. Et du coup,
famille avec le rat. Ouais. C'est encore un détail. Et dans cette église, j'y suis rentré. Et comme une église, le sol il s'est abaissé. Quoi? Mais vous commencez à avoir des hallucinations. En plus de penser que ce rat vous parle, vous pensez à avoir des hallucinations, ouais. C'est pas possible. Non, j'y étais. Il m'a dit que je suis descendu. Il y avait un grand couloir. Et au bout de ce couloir, il y avait une étrange lumière violette. Et le rat il m'a dit que derrière ce truc violet, il y avait le clergé. Attendez. Vous avez des hallucinations. Monsieur clergé, je sais qu'il revient de temps en temps dans le royaume et qu'il faut absolument que nous l'arrêtons, mais quand même, de là à penser ce genre de choses, quand même. Vous devez vous reposer. Vous voulez qu'on vous prête une chambre de l'auberge? Y'a pas de problème, hein. Mais non, mais je peux vous montrer. Vous pouvez nous montrer? Oui, je peux. Vraiment, montrez-nous, alors, montrez-nous. Vas-y. Venez, je pense que ce serait peut-être dangereux. Enfin, il faudrait peut-être faire rentrer votre famille au château, non? L'endroit faisait peur quand même. Oui, on peut. Je pense que ça serait mal vu. Bonjour, monsieur Lucas. Oui. Puissiez-vous accompagner ma famille à l'enceinte du royaume? Nous avons un petit souci. Ah bah, suivez-moi. Oh, rien de grave, j'espère. Non, tout va bien se passer. À tout de suite, hein, on revient vite. Au revoir. Au revoir. C'est pas la vie, au revoir.